on est en train de construire une déambulation, c'est-à-dire une mise en scène sur l'histoire de Sainte-Philippine, et nous sommes sur les lieux de Sainte-Philippine avec lui, donc c'est autant édifiant pour nous, et on essaie de mettre cette histoire d'une sainte en valeur. La première semaine, j'étais en expériment musique, donc c'est-à-dire voilà, avoir la chance de faire de la musique, du chant, avec des musiciens de plein d'origines différentes, de tous les âges. Voilà, le plaisir de chanter ensemble et même d'apprendre les bases de la composition. Les personnes toxicomanes, c'était des gens comme moi, comme beaucoup d'entre nous. Ce sont des gens qui cherchent l'amour, le sens de la vie, voilà, et qui sont tombés dans le chemin de la drogue. Les expériments L'Arche, quant à eux, ont passé une semaine avec les membres de L'Arche. Les expériments La Retraite, quant à eux, ont passé une semaine de retraite selon les exercices ignatiens. Ensuite, une messe à Grane nous permet d'introduire la seconde partie du pèlerinage. Je suis impressionné par le fait qu'une figure d'il y a deux siècles peut encore nous inspirer dans sa manière de prier, dans sa manière de traverser les frontières. Puis l'autre chose, c'est la manière dont des jeunes de partout d'Europe et même des États-Unis essaient de trouver des manières ensemble de prier le Seigneur et de s'interroger sur le monde dans lequel ils sont. Et ça, c'est pour moi, c'est le magis, faire davantage.